Bonjour, mon nom c'est Roxane. Cette année, je vais être assistante monitrice au camp études patrimoniales. Je m'appelle Myriam Cloutier, je travaille pour la ville de Ville-Saint-Paul et je suis responsable du camp. Donc Roxane, comme ancienne participante, qu'est-ce que tu as le plus apprécié au camp études patrimoniales? J'ai beaucoup aimé la diversité des activités, comme par exemple, on pouvait autant rencontrer un artiste, faire des marionnettes, ou autant mon activité préférée qui était aller visiter le village d'Indiens à Saint-Placide. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette activité-là? On a confectionné des bateaux, on a écouté les histoires qu'ils nous racontaient, ils nous ont tout expliqué comment c'était créé ce village-là. Et Myriam, qu'est-ce qui nous attend? Ouais, cet été, pour l'édition 2019, dans le fond, c'est une nouvelle formule. Donc, c'est du 19 au 23 août. Je vais vous donner une petite primeur. Donc, la première journée, on ira à la Malbaie, au musée de Charlevoix, faire une activité sur les anciennes disciplines olympiques. Puis, en après-midi, on part à marée basse avec l'équipe de l'Observatoire de l'Astroblème de Charlevoix, devenir des géologues en herbe à la recherche, justement, des traces du météorite de Charlevoix. Alors, je vous invite à venir au camp cet été. On va avoir bien du fun.